Maintenant, élevons nos voix et nos mains vers le ciel. Lift up your voice and your hand to heaven. Et apprécions ce bon Dieu. And appreciate this great God. Pour sa grandeur dans nos vies. For his greatness in our lives. Pour sa bonté dans nos vies. For his goodness in our lives. Pour sa miséricorde dans nos vies. For his mercies in our lives. Il nous a appelés encore en cette heure. He has called us again this time. Pour briser toute forme de malédiction générationnelle dans nos vies. To break any kind of generational curses in our lives. Disons-lui merci parce que nous croyons qu'il a déjà fait. Thank him because we believe he has already done it. Père, merci pour ce que tu as fait au premier service. Father, thank you for what you did in the first service. Merci pour ce que tu as fait au deuxième service. Thank you for the second service. Nous prions encore pour ce troisième service. And we pray in this third service. Avec l'aide de ton esprit. With the help of your spirit. Accomplis de même. You do the same. Nous te disons merci, Père. We thank you, Father. Sois élevé, Jéhovah. Be lifted, Jehovah. Reçois toute la gloire. Receive all the glory. Merci, Seigneur, pour tout. Thank you, Lord, for everything. Nous sommes reconnaissants, Père. We are grateful. Visite-nous par ta parole. Visit us via your word. Et Seigneur, transforme nos situations. And transform every situation. En situation positive. Into positive situations. À toi soit toute la gloire, Père. To you alone be all the glory, Father. C'est dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que nous avons ainsi remercié. We have so given thanks. Papa, merci encore ce midi. Father, thank you this noon. Pour ce que tu as fait déjà. For what you are doing already. Et nous prions que tu vas encore faire de même à ce moment. And we pray you do more during this time. Tu nous as visité au premier et deuxième service. You assisted us in the first and second service. À travers ta parole. Through your word. Et à travers la chair et le sang de Jésus. And through the body and the flesh of Jesus and the blood of Jesus. Visite-nous encore à cette heure. Visit us again. Brise les malédictions générationnelles. Break generational curses. Et que chacun de nous parte d'ici libre de toute malédiction. And let everyone go back here free of every curse. Et en toute chose, nous te retournerons toujours toute la gloire. In everything, we'll come back to return all the glory to you. Envoie-nous ta parole. Send your word. Confirme-la. Confirm it. Et c'est fait. It is done. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Et des acclamations, s'il vous plaît. Put your hands together as you take your seat. Asseyez-vous dans sa présence. In his presence. Louez le Seigneur, je suis finalement sur les voies d'alliance de la vie. Praise God, I'm finally on my covenant highway of life. Félicitations. Congratulations. Amen and amen. Amen. Ce midi, c'est un privilège pour moi de nous apporter la parole de Dieu. This noon, it is a privilege for me to bring the word of God. Ce n'est pas un acquis. It is not given. C'est pourquoi je retourne toute la gloire à Dieu. That is why I return all the glory to God. De même aussi, je suis reconnaissant à son serviteur dans la maison. And I'm also grateful to his servant in the house. Le Père établit en ce lieu. The Father established in this place. Et je prie que ce midi, la grâce dans sa vie. And I pray that the grace flowing in his life va aussi travailler à travers moi ce midi. Will also work through me. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. In the precious name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. La cible prophétique du mois d'octobre nous a été dévoilée. The prophetic focus of October was unveiled. Je ne vous laisserai pas ou je ne te laisserai pas impuissant ou sans aide. I will not leave you helpless. Selon Jean chapitre 14 verset 16 à 18. According to John 14, 16 to 18. Et la série d'enseignements que nous examinerons tous les dimanches lorsque nous nous retrouverons. And the teaching series we've been going through every Sunday. C'est comprendre le ministère du Saint-Esprit. It's understanding the ministry of the Holy Spirit. Comprendre le ministère du Saint-Esprit. Understanding the ministry of the Holy Spirit. Dans la Trinité. In the Trinity, une des personnalités qui est mal comprise jusqu'à ce jour, one of the personality who is misunderstood till day, c'est la personnalité ou la personne du Saint-Esprit. Is the person of the Holy Spirit. Beaucoup d'incompréhension. A lot of misunderstanding. En fait, que plusieurs n'arrivent pas à maximiser le privilège que Dieu nous a fait d'avoir son esprit à l'œuvre dans nos vies. I've made many not to maximize the privilege God has granted us to have his spirit in our midst. Et il faut comprendre encore en ce midi là que le Saint-Esprit en réalité c'est une personne. That the Holy Spirit is a person. Ce n'est pas un vent. It's not. Ce n'est pas un vent. It's not a form. Ce n'est pas une sensation. It's not a feeling. C'est une personne. It's a person. Il parle. He speaks. Il entend. He hears. Et il agit. And he works. Je prie pour toi et pour moi en ce midi.
People of God, je prie pour toi et pour moi ce midi. I pray for you and me this noon. Me tenant dans les chaussures du serviteur de Dieu. Standing in the shoes of the servant of God. Que le ministère du Saint-Esprit, that the ministry of the Holy Spirit, sera encore plus réel dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Will be more real in your life in the name of Jesus. Le Saint-Esprit a différentes dimensions et diverses opérations. The Holy Spirit has diverse dimensions and different operations. Dans Ésaïe chapitre 11 verset 1 à 2. In Isaiah 11, 1 to 2. Nous avons là les différentes dimensions du Saint-Esprit. We have the different dimensions of the Holy Spirit. On va dire les différents attributs du Saint-Esprit. We have the different attributes of the Holy Spirit. Et là, c'est le prophète Isaïe qui nous a annoncé la venue de Jésus, qui nous parlait prophétiquement de Jésus. Prophet Isaiah, who announced the coming of Jesus, was prophetically talking about Jesus. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Le verset 2 maintenant. Verse 2. Ce qu'il aura de particulier. What will be special about him? C'est que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Puis l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, and the spirit of knowledge and the fear of the Lord. Donc quand on parle de l'esprit de Dieu, on voit l'esprit de l'Éternel. So when we talk about the spirit of God, we see the spirit of the Lord. On voit l'esprit de la crainte du Seigneur. We see the spirit of the fear of the Lord. On voit l'esprit de connaissance. We see the spirit of knowledge. L'esprit de sagesse. The spirit of wisdom. L'esprit de compréhension. The spirit of understanding. L'esprit de force. The spirit of mind. L'esprit de conseil. The spirit of counsel. Ce sont les différents attributs de l'esprit de Dieu. These are the different attributes of the spirit of God. Et en réalité, quand on parle de dimension d'attributs, and when we talk about dimension or attributes, on parle de la nature de l'esprit de Dieu. We are talking about the nature of the spirit of God. C'est cette nature qui nous a été communiquée en nous. It is this nature that was communicated to us. Par vertu de la nouvelle naissance. Through new birth. Dans Actes chapitre 2. In Acts 2. À partir du verset 37 au verset 38. From 37 to 38. Lorsque nous naissons de nouveau. When we are born again. Et que nous donnons notre vie à Jésus-Christ. And we give our life to Jesus Christ. Voici ce qui se produit. This is what happens. Parlons de ceux qui ont écouté le discours ou encore la prédication de Pierre. Talking about those who heard the teaching of Peter. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Now when they heard this, they were prickled in their heart and said unto Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we then do? Verset 38, Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et la conséquence est que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Then Peter said unto them, repent and be baptized everyone in the name of Jesus Christ for the remission of the sins and the consequences, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Donc nous avons tous reçu de cet esprit-là. So we have all received this spirit. Cette nature, ces attributs sont déjà en nous. This nature, those attributes are already in us. Mais au-delà de la nature, but above this nature, il y a aussi l'opération de cet esprit. There is also the operation of this spirit. C'est-à-dire l'action de cet esprit-là. That is the action of the spirit. Et l'action de cet esprit est révélée dans le livre de Galates chapitre 5 le verset 22. And the action is revealed in the book of Galatians 5:22. Là, on en parle maintenant des fruits de l'esprit. Talking about the fruits of the spirit. L'esprit maintenant va commencer à opérer dans notre vie en développant ou encore en maximisant les fruits de l'esprit dans nos vies. The spirit will start operating by developing or maximizing the fruit of the spirit in our lives. Et ce que ces fruits font, c'est de révéler l'image de Christ de Dieu à travers nous. And these fruits will reveal the image of Christ through us. Et aussi au-delà de l'image de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle les dons de l'esprit. But beside the image of God, there is also what is called the gifts of the Spirit. Qui sont les œuvres maintenant de l'esprit à travers nous? Which are the works of the Spirit through us? Dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 8. In 1 Corinthians 12 verse 8. Paul là-bas révèle la question des dons de l'esprit. Paul is talking about the gifts of the Spirit. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Un autre, une parole de guérison, verset 8, studio s'il vous plaît. Il dit en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. But to one is given the spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same spirit. Verset 9, à un autre la foi par le même esprit,
À un autre le don de guérison par le même esprit. To another faith by the same spirit, to another the gift of healing by the same spirit. Verset 10 maintenant. Verse 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. To another the working of miracles, to another prophecy, to another the signing of spirit, to another diverse kind of tongue, to another the interpretation of tongues. Donc l'opération de l'esprit de Dieu dans notre vie, c'est les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit de Dieu. So the operation of the spirit of God in our life is the fruit of the spirit and the works of the spirit. Pendant que les fruits révèlent l'image de Dieu, as the fruit will reveal the image of God, les dons nous permettent de déployer le potentiel de Dieu. The gift will help us to deploy the potential God has put in us. Ce qu'on entend par la puissance de Dieu. That is the power of God. Et c'est ce que Jésus avait dit aux disciples. Il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. And that is what Jesus told the disciples, tarry ye until you are endued with the power from on high. Mais ils avaient déjà reçu l'esprit à l'intérieur. But they had already received the spirit within. Donc les dons de l'esprit ont pour but de déployer la puissance de Dieu. So the gift of the spirit will unveil the power of God. Et je prie pour toi et pour moi ce midi au nom de Jésus-Christ. And I pray for you and I this morning in the name qu'en of Jesus. Ce mois d'octobre, in this month of October, me tenant dans les chaussures du serviteur de Dieu, standing in the shoes of God's servant, les dons de l'esprit, the gifts of the spirit, qui vont déployer la puissance de Dieu à travers toi, that will unveil God's power through you, commenceront à manifester au nom de Jésus-Christ. Will start their manifestation in the name of Jesus Christ. Ces dons commenceront à se manifester dans le nom de Jésus-Christ. The gifts will start manifesting in the name of Jesus. Il est donc pour nous d'avoir la responsabilité de cultiver ces dons-là. So it is up to us to cultivate those gifts. Le Saint-Esprit est là en nous. The Spirit of God is here in us. Il est sur nous. He's on, in us. Mais la responsabilité est la nôtre de veiller à ce qu'il soit maximisé dans notre vie. But it is our responsibility to maximize his presence in our lives. C'est pourquoi on parle de comprendre le ministère du Saint-Esprit. That is why we are talking about understanding the ministry of the Holy Spirit. Galates chapitre 5 verset 25. Galatians 5 verse 25. Nous devons consciemment cultiver la relation avec le Saint-Esprit. We should consciously cultivate the relationship with the Holy Spirit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ne sois pas seulement conscient que l'Esprit de Dieu habite en toi. Don't just be conscious that the Holy Spirit lives in you. Laisse-le aussi opérer à travers toi. Also allow him to walk through you. Parce qu'il est possible d'avoir l'Esprit malheureusement et de laisser la chair prendre le contrôle sur nous. Because it is possible to have the Spirit and to be ruled by your own flesh. Dans le cas où tu ne cultives pas l'esprit dans les fruits et dans les dons. In case you don't cultivate the spirit in the fruit and in the gifts. C'est ce que Paul avait dit à l'église de Galates. That is what Paul told the church of Galatians. En fait, il a commencé à leur dire dans Galates chapitre 3 verset 3. He started telling them in Galatians 3:3. Il a dit, dépourvu de sens vous êtes, ô homme de Galates. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Are you so foolish, having begun in the spirit, are you now made perfectly by the flesh? Ils avaient reçu l'esprit de Dieu. They had received the spirit of God. Mais ils ont failli dans la responsabilité à cultiver une relation de l'esprit à travers les dons et les fruits de l'esprit. But they failed in their responsibility of cultivating the fruit and the gift of the spirit. Mais toi, tu ne vas pas faillir dans cette tâche au nom de Jésus-Christ. But you are not going to fail in the name of Jesus. Tu ne vas pas faillir dans cette tâche au nom de Jésus-Christ. To fail in the name of Jesus. Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, dans le corps de Christ, constat que j'ai fait. Unfortunately, in the body of Christ, what I've noticed. Nous sommes plus conversants avec Dieu le Père et Dieu le Fils et moins avec le Saint-Esprit. We are more conversant with God the Father, God the Son, and less with the Holy Spirit. On sait beaucoup demander à Dieu. We know how to ask God a lot. Nous savons prier au nom de Jésus. We know how to pray in the name of Jesus. Mais peu d'entre nous, de nos jours, arrivent à connaître ou encore reconnaître la présence ou encore l'importance d'avoir une relation avec l'Esprit de Dieu. But very few can acknowledge the presence or better still, the importance of having a relationship with the Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Ce qui va nous amener à comprendre en réalité quel est le but du Saint-Esprit dans notre vie. And then we should understand what is the purpose of the Holy Spirit in our life. Jésus a défini quels sont les rôles du Saint-Esprit dans nos vies. Jesus defined the roles of the Holy Spirit in our life. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, sans consolation. Jesus said, I will not leave you alone without a comforter. Je vous enverrai un autre consolateur. He said, I will send you a comforter. Lui, il habitera en vous. He will dwell in you. Il demeurera en vous. He will dwell in you. Il va vous enseigner toutes choses. And he will teach you all things. Les choses cachées même de la parole de Even Dieu. Even the hidden things of God. Donc,
tu dois comprendre qu'en réalité, lorsque tu veux comprendre la parole de Dieu, la personne que tu dois engager, c'est le Saint-Esprit. So once you should understand that if you really want to understand the word of God, the person you need to engage is the Holy Spirit. J'ai constaté une chose, ce que notre papa dans la maison fait à chaque fois qu'il monte sur l'autel depuis son arrivée. I noticed something, what our father does when he climbs the pulpit since he came. Parce que Dieu a son rôle, le Fils a son rôle, le Saint-Esprit a son rôle. C'est bien défini. Because God has his role, the Son and the Holy Spirit, it is well defined. Il va toujours commencer par dire doux et aimant Saint-Esprit. He will always call the sweet Holy Spirit. Parce que à ce niveau, concernant l'enseignement, concernant la compréhension de l'Écriture, c'est le rôle du Saint-Esprit. Dieu le Père n'est plus là, Dieu le Fils n'est plus là. Because concerning the teaching, it is the role of the Holy Spirit. God the Father and God the Son are no more there. Donc si on arrive à répertorier quels sont les rôles du Saint-Esprit, définir, nous pouvons engager mieux cette relation avec le Saint-Esprit. So if we can define what are the roles of the Holy Spirit, we can then sharpen our relationship with Him. Lorsque tu vas lire la parole de Dieu, tu demandes à Dieu, enseigne-moi la parole. Dieu va dire, non, moi je ne peux pas t'enseigner la parole. J'ai envoyé quelqu'un pour ça, c'est le Saint-Esprit. So when you want to read the word of God and you say, God, teach me the word. He will say, no, I cannot teach you the word. I've sent someone to do that for you. Donc apprenons à reconnaître le Saint-Esprit. C'est quoi un homme de Dieu qu'on appelle Benihin? So let's acknowledge the Holy Spirit. There is a man of God called Benihin. Qui a écrit un livre qu'on appelle Bonjour Saint-Esprit. Who wrote a book called Good Morning Holy Spirit. Lorsqu'il arrive à cette compréhension de la personnalité du Saint-Esprit. When he got to that understanding of the personality of the Holy Spirit. Lorsqu'il se lève le matin, la première personne à qui il parle, ce n'est pas Dieu le Père, ce n'est pas Dieu le Fils, mais c'est le Saint-Esprit. When he got to that and wake up in the morning, the person he speaks first is not God the Father or the Son, he speaks to the Holy Spirit. C'est pourquoi il est venu, il a sorti cette œuvre Bonjour Saint-Esprit. That is why he wrote this book Good Morning Holy Spirit. Combien de fois t'es-tu levé le matin pour dire Saint-Esprit bonjour? How many times have you woken up in the morning and said, Holy Spirit, good morning? Et c'est lui qui doit te révéler les choses cachées. And he's the one to reveal the hidden things to you. Mais tu le laisses dans un coin de ta vie, tu pars toujours au Père, tu pars avec le Fils. But you live in one corner of your life, you speak to the Father, you speak to the Son. Mais je prie pour toi et pour moi qu'à compter de ce mois d'octobre. But I pray for you and I that from this month of October. La réalité du Saint-Esprit. The reality of the Holy Ghost. Dans les chaussures du serviteur de Dieu. Standing in the shoes of God's servant. Sera plus réel dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Will be more real in our life in the name of Jesus. Et une autre dimension de l'Esprit de Dieu qu'on va examiner, que notre papa a commencé depuis le premier service. And one other dimension of the Spirit we have to examine that we've began since the first service. Dimanche dernier, nous a impacté avec la question de l'esprit de révélation. Last Sunday, we talked about the spirit of revelation. Et il a commencé aujourd'hui avec l'esprit de foi. And today, we started with the spirit of faith. Il y a une dimension du Saint-Esprit qu'on appelle l'esprit de foi. There is a dimension of the Holy Spirit that is called the spirit of faith. Marc chapitre 9, verset 23. Mark 9, 23. La Bible dit ceci. The Bible says. Jésus lui dit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believe it. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthians 4, 13. Là il spécifie bien Paul la question de l'esprit de foi. He specified very clearly the question of the spirit of faith. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. We have in the same spirit of faith according to us it is written, I believe and therefore I have spoken. We also believe and therefore speak. Praise the Lord. Hallelujah. Donc, une des caractéristiques de l'esprit de foi, c'est la capacité à parler. So one of the characteristics of the spirit of faith is the ability to speak. Praise the Lord. Hallelujah. Donc, comprenons ceci encore ce midi. Comprenons ceci encore ce midi. Let's understand this. La rédemption n'est pas une issue de secours pour échapper aux défis de la vie. Redemption is not a way out of the challenges of life. Dieu ne t'a pas racheté pour que tu puisses fuir les problèmes de la vie. God did not redeem you so that you will run away from all the problems of life. Il n'a pas payé le prix pour ta vie pour que tu ne confrontes pas les situations contraires de ta vie. He didn't pay the price for you not to face the contrary situations of your life. Non, bien au contraire, la raison pour laquelle il a racheté ta vie. The reason why he redeemed your life. C'est pour te revêtir de puissance. Is to empower you. Afin que tu mènes une vie victorieuse ici sur terre. So that you will live a victorious life here on earth. Une des raisons principales pour laquelle Dieu a racheté ta vie. One of the reasons why God redeemed your life. Parce que cette vie-là, maintenant, va représenter son image. Is because that your new life is going to represent his image. Et l'image de Dieu ne peut pas être défaitiste dans la vie. And the people of God cannot be defeated in life. Il te revêt donc de puissance par la rédemption. So he will empower you by redemption.
pour que tu sois toujours victorieux. For you to always be victorious. Tu seras toujours victorieux dans le nom de Jésus. You will always be victorious in the name of Jesus. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. That is why in 1 John 5, 4, il a dit tout ce qui est né de Dieu. He said whatsoever is born of God. Triomphe du monde. Overcometh the world. Et la victoire qui triomphe du monde. And this is the victory. C'est notre foi. That overcometh the world, even our faith. Ce que tu as cru que Dieu a dit. So what you think you thought God said. Ce que tu as cru que Dieu a dit. What you thought God said. Et que par la suite, parce que l'esprit de foi parle, tu déclares maintenant avec ta bouche. And because by the spirit of faith, you now proclaim it with your mouth. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. 1 Corinthians 15:57. Il dit, gloire soit rendue à Dieu. Glory be given to God. Qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Who causes us to always triumph in Christ Jesus. Gloire soit rendue à Dieu. Glory be given to God. Qui nous permet de toujours triompher contre toutes les situations contraires de la vie. Who causes us to triumph before every contrary situation. Jusqu'à la fin de cette année 2023. Till the end of this year 2023. Et même au-delà. Even above. Je décrète. I decree, me tenant les chaussures du serviteur de Dieu, standing in the shoes of God's servant, que ta victoire sera toujours établie au nom de Jésus-Christ. That your victory will always be guaranteed in the name of Jesus. Mais on a dit qu'une des caractéristiques de l'esprit de foi, c'est que cet esprit parle. But we said that one of the characteristics of the spirit of God is that the spirit of faith is that it is a speaking spirit. J'ai cru. I believe. C'est pourquoi j'ai parlé. Therefore I speak. J'ai cru. I believe. C'est pourquoi j'ai déclaré. Therefore I declare. Dans ce monde, in this world, il n'y a pas de place pour les bouches fermées. There is no place for closed mouths. Dans ce monde, il n'y a pas de place pour les bouches fermées. In this world, there is no place for closed mouths. Acts chapitre 4 verset 19 à 20. Acts 4, 19 to 20. La bouche fermée ici, c'est faut bien, je vais différencier parce qu'il y a bouche fermée et bouche ouverte. I'm going to make a difference here because there is closed mouth and open mouth. La quand on dit il y a pas de place pour les bouches fermées, la bouche doit être ouverte, mais doit être ouverte dans le bon sens. When we say there is no place for the closed mouth, your mouth should be open but in the right way. Acts chapitre 4 verset 19 à 20. Acts 4 19 to 20. Là-bas ce sont les apôtres qui ont parlé. Apostles spoke there. Victime des menaces de la vie. Victim of the threats of life. Pierre et Jean leur répondirent. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than to hearken unto God, judge ye. Verset 20 maintenant. 20. Il dit, verset 20. 20. Nous ne pourrons que parler des choses que nous avons entendues de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas nous empêcher de parler. But we can't but speak of the things that we have seen les and choses, heard from the Spirit of God. Les choses que nous avons vues. The things we have seen. Acts chapitre 4 verset 19 à 20, s'il vous plaît, le verset 20. Acts 4, 20, studio. Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons entendues et que nous avons vues. C'est Pierre et Jean qui parlaient. We can't but speak of the things that which our eyes have seen, our ears heard. En dépit des menaces dont ils étaient sujets. Despite the threat they were victim of. Ne parlez plus au nom de Jésus. Don't speak in the name of Jesus anymore. Ils ont dit, nous, on ne peut pas fermer nos bouches. No, we cannot close our mouth. Peu importe l'intensité de vos menaces. No matter the intensity of your threat. Au risque même de notre vie. Even at the risk of our life. Nous allons toujours déclarer ce qui a été écrit. We are going to declare what is nous allons toujours annoncer ce que l'évangile dit à notre we sujet. We are going to announce what the gospel is saying. Donc ouvre ta bouche. So open your mouth. Ne la laisse pas fermer. Don't close it. Comprends que Jésus a porté la peine de notre silence. Understand that Jesus Christ bear the pain of our silence. Jésus a déjà porté la peine de notre silence. Jesus already bear the pain of our silence. Parce qu'à chaque fois que nous demeurons silencieux, because each time we close our mouth, l'ennemi prend le dessus sur nos vies. The enemy will take over our lives. Mais Jésus est venu nous revêtir de puissance. But Jesus came to empower us. En portant le prix de cette peine-là. By carrying the price of that pain. Dans Ésaïe 53, le verset 7. In Isaiah 53, verse 7. Parlons de Jésus prophétiquement. Talking about Jesus prophetically. Ésaïe a dit quelque chose. Isaiah said something. Il a révélé ceci. He revealed this. Qu'il a porté nos peines. He said he bared our sorrow. Ésaïe 53, le verset 7. Isaiah 53, 7. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and a sheep before the shearer is dumb.
So he opened not his mouth. Jésus a fermé sa bouche ce jour-là parce qu'il fallait qu'un prix soit payé pour nous donner l'autorité d'ouvrir notre bouche. Jesus closed his mouth that day because a price needed to be paid to give us the authority to open our mouth. Le péché nous empêchait d'avoir l'autorité sur le diable. Because sin blocked us, stopped us from having authority. Ça faisait de nous des victimes de la vie. And we became victims of life. Mais il a accepté de porter cette peine-là. But he accepted to bear this pain. Et c'est pourquoi il dit dans Luc chapitre 21 verset 15. That is why he said in Luke 21 verse 15. Maintenant, je t'ai donné une bouche. Now I've given you a mouth. Et une sagesse. And a wisdom. À laquelle tes ennemis ne pourront pas résister. To which your enemy cannot gainsay nor resist. Tu n'avais pas le droit de parler avant. You didn't have the right to speak before. Ta parole ne portait pas du tout, n'avait aucun poids. Your word didn't count before. N'avait aucun poids du tout. Had no weight at all. À cause du péché qui t'accusait. Because of the sin. Mais j'ai porté ce péché. But I have brought that sin. Dorénavant. From now on. Tout ce qui te confronte. Everyone facing you. Tout ce qui te menace dans la vie. Everything threatening your life. Je t'ai donné une bouche. I've given you a mouth. Et lorsque tu ouvres cette bouche là. And when you open this mouth. Quelle que soit la sagesse humaine derrière. No matter the human wisdom behind. Peu importe les forces derrière ces situations contraires. No matter the forces behind that situation. Tu devras résister par ta parole. You will resist by your mouth. Donc by your word. C'est pourquoi ta bouche doit être ouverte. That's why your mouth has to be open. Il a dit ouvre ta bouche grandement. He said open wide your mouth. Et je vais la rempli. And I will feel it. Et je prie pour toi et pour moi ce midi. And I pray for you and I this noon. Tout ce qui t'a gardé silencieux devant l'ennemi. Everything that kept you silent before the enemy. Tout esprit de peur. Every spirit of fear. Tout esprit d'anxiété. Every spirit of anxiety. Tout esprit de dépression. Every spirit of depression. Par l'œuvre de l'esprit de foi. By the work of the spirit of faith. Ce mois d'octobre. In this month of October. Ils vont lâcher prise de ta vie au nom de Jésus Christ. They will lose their grip out of your life in the name of Jesus. Ils vont lâcher prise de vos vies dans le nom de Jésus Christ. They will lose their grip in the name of Jesus. Pourquoi nous devons parler? Why must we speak? Chaque parole que nous déclarons aujourd'hui. Every word we declare today. Est un chapitre qui s'ouvre dans notre futur. Is a chapter opening our future. Chaque parole que tu déclares aujourd'hui. Every word you declare today. C'est un chapitre que tu ouvres dans ton avenir. Is a chapter you are opening in your future. C'est pourquoi notre papa dans la maison nous a dit deux choses au premier et deuxième service. That is why the man of God in the house said something in the first and second service. Il n'y a que deux personnes qui peuvent empêcher ta destinée sur terre. Only two entities can work on your destiny on earth. Dieu d'abord. God first. Et après toi-même. Then yourself. Parce que personne ne peut décider des événements de ta vie si ce n'est Dieu et toi. Because no one else can decide on the events of your life if not God and you. Mais tu vas déterminer, définir les événements de ta vie par les paroles de ta bouche. But you are going to determine and declare the events of your life by the words of your mouth. Ce que tu déclares aujourd'hui. What you declare today. Ouvre un chapitre dans ton avenir. Will open a chapter in your future. Ecclésiastes chapitre 5 verset 5. Ecclesiastes 5. Ecclésiastes chapitre 5 verset 5. Verse 5 also. Il dit ne permet pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage, la destinée qu'il a confiée entre tes mains? Do not cause your flesh to sin by your mouth, and do not say before an angel it was a mistake. Therefore shall God destroy you and the works of your hands. L'écrivain de Proverbe a dit la vie et la mort. The writer of Proverbs said life and death. La vie et la mort. Life and death. Concernant ta destinée. Concerning your destiny. Tes enfants. Your children. Tous les aspects de ta vie. All aspects of your life. Vont dépendre essentiellement. Will essentially depend de l'usage que tu fais de ta langue. Of the use of your mouth, your tongue. Si tu utilises correctement ta langue. If you use your tongue correctly, ta vie sera toujours correcte. Your life will be correct. Je prie pour toi pour moi ce midi au nom de Jésus-Christ. I pray for you and I. Toute activité de l'ennemi ou encore toute erreur que tu as par ta bouche déclarée dans ta vie. Every error, every mistake you declared in your life by your mouth. Par le sang de Jésus en ce service. By the blood of Jesus in this service. Dans les chaussures du serviteur de Dieu. Standing in the shoes of God's servant. C'est annulé dans le nom de Jésus-Christ. It's cancelled in the name of Jesus. C'est annulé dans le nom de Jésus-Christ. It's cancelled in the name of Jesus. L'évêque de Poix dit je ne serai jamais pauvre. Bishop David de Poix said I will never be poor. Je ne serai jamais malade. I will never be sick. Parce qu'il avait compris le secret de la langue. Because he understood the power of the tongue. Qui est accompagné par le mystère de la foi. That is followed by the mystery of faith. L'esprit de foi va continuer à œuvrer puissamment à travers ton nom de Jésus. The spirit of faith will keep working in your life in the name of Jesus. C'est pourquoi de nos jours. That is why. C'est pourquoi de nos jours. That is why in our days. Une des attaques que le diable a toujours à cœur de lancer contre le peuple de Dieu.
What attack the devil always wants to use against the people of God? C'est d'amener la foi des croyants à vaciller. Is to bring their faith into a shaking position. Parce que si le diable réussit à te faire faillir dans ta foi, because if you fail in your faith, il a gagné le combat sur ta vie. He has won the battle over your life. S'il a réussi à t'empêcher de parler, if he stops you from speaking, il a gagné le combat sur ta vie. Then he has won over you. Mais il ne va plus gagner son nom de Jésus-Christ. But he won't win anymore in the name of Jesus. C'est pourquoi lorsqu'il a parlé de Pierre, that is why when he spoke about Peter, il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. He said, Peter, I prayed for you. Parce que le diable a cherché quelque chose. Because the devil sought for something. Il a couru après ta foi. He desired your faith. Il ne veut pas que tu parles. He doesn't want you to speak. Il ne veut pas que tu crois en ce que je suis. He doesn't want you to say who I am. Pourtant, il avait déjà dit à Jésus, tu es le fils de Dieu. While he had even said to Jesus, you are the son of God. Et Jésus a dit, c'est à travers cette révélation que tu as déclaré que je vais maintenant bâtir mon église sur toi. And Jesus said, through what you have declared, I'm going to build my church upon you. Il a dit, maintenant Satan comprend que tu as le secret de la révélation. Now Satan understands that you have the secret of revelation. Et le secret de la foi. And the secret of faith. Il en est après ta foi. And he is after your faith. Il veut te cribler comme du froment. He wants to squeeze you like balls. Luc chapitre 22 verset 31. Luke 22, 31. Et mais j'ai prié pour toi. He said, but I have prayed for you. Afin que ta foi ne faillisse point. So that your faith will fail not. Ta foi ne va pas faillir au nom de Jésus-Christ. Your faith will not fail in the name of Jesus. Donc nous avons besoin de la foi dans ces derniers temps. So we need faith in these last days. Si nous devons vivre une vie de triomphe. If we must live a winning life. Pas une simple foi. Not a simple faith, mais une foi forte. But a strong faith. Romains chapitre 4 verset 16 à 18. Romans 4, 16 to 18. La Bible là-bas nous parle d'Abraham. Talking about Abraham there. Il n'a pas douté dans sa foi. Who did not stagger in his faith. Il n'était pas incrédule. He was not unbelieved. Mais il a persévéré. But he persevered. Et il a obtenu la promesse de la parole de Dieu. And he obtained the promise at the end. Ta foi doit rester ferme. Your faith should remain strong. Ta foi doit rester intacte. Your faith should remain intact. C'est pourquoi tu ne veux pas permettre au diable de t'introduire dans une vie d'incrédulité. That is why you shouldn't allow the devil to lead you into unbelief. Peu importe ce à quoi tu es confronté. No matter what is facing ce you. Ce n'est pas nouveau sous le soleil. It is not new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. There is nothing new under the sun. C'est pourquoi la Bible nous parle de ceux qui par la foi ont vaincu des royaumes. That is why the Bible is talking about those who overcame by faith. Qui par la foi ont exercé la justice. They subdued kingdom by faith. They exercised righteousness. Qui par la foi ont obtenu les promesses. By faith they obtained Good, the promises. La même foi qu'ils ont eu dans le temps. The same faith they have. C'est la même foi qui est disponible aujourd'hui. Is the same faith which is available. Mais nous devons bâtir continuellement cette foi. But we should keep building that faith. En croyant continuellement à Dieu. By continually believing in God. On l'a dit dans Proverbe dans Actes chapitre 24 verset 14. Paul said in Acts 24, 14. Quelque chose de très important. Something very important. Il a dit oui moi je crois en Dieu. He said I believe in God. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères. I serve the God of my father. Selon la voie qu'il appelle une secte. According to the way they call which they call heresy. Croyons tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. So worship the God of my father, believing all things which is written in the law and in the prophets. Si Dieu a dit que je ne serai pas malade. If God said I will not be sick. Même si j'ai l'impression d'un symptôme dans mon corps. Even though I feel some symptom in my body. Je crois de façon religieuse que Dieu a déjà guéri mon corps. I believe God has already healed my body. Parce qu'il souhaite que je sois en bonne santé. Because he wish that I be in good health. Je crois de tout mon cœur. I believe with all my heart. Les symptômes nonobstant. Despite the symptoms. Que je suis déjà guéri. That I am already healed. Pourquoi par ses meurtrissures. Why? Because by his stripes. J'avais déjà été guéri. We were healed. Et parce que la foi parle. And because faith speaks. Et que je crois en ça. And I believe. Je le déclare. I declare. Et j'agis en conséquence de ce que je déclare. And I act accordingly. Je prie pour quelqu'un en ce mois d'octobre. I pray for someone in this month of October. Par l'œuvre de l'esprit de foi. By the work of the spirit of toute faith. Toute activité des ennemis dans ta vie. Every activity of the enemy is in your life. Enfin dans le nom précieux de Jésus Christ. Will come to an end. In the name of Jesus Christ. Enfin dans le nom précieux de Jésus Christ. In the name of Jesus. Les hommes de foi et les femmes de foi sont des terreurs pour le royaume des ténèbres. Men and women of faith are terror for the kingdom of darkness. Parce qu'il sait que par ta foi tu peux éteindre les traits enflammés de son royaume. Because he knows that by your faith you can quench all the fiery darts of the wicked. Ephésiens chapitre 6 le verset 16 à 18. Ephésiens chapitre 6 verset 16 à 18. Ephesians 6, 16 to 18. Il a dit prends le bouclier de la foi. Above all, taking the shield of faith. Par lequel tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Tout ce qui représente les traits du malin dans ta vie. Everything representing the
thoughts of the wicked in your life. Par la communion. By the communion. Ce sera anéanti au nom de Jésus-Christ. It shall be destroyed in the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Mais aspire à l'esprit de foi comme on aspire au don de l'esprit. And aspire the spirit of faith as you aspire to the gift of the spirit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31. 1 Corinthians 12:31. Il a dit aspirez au don les meilleurs. He said aspire to the best gifts. Aspirez à l'esprit de foi. Covet earnestly the best gifts. L'évêque de Poix dit tout ce qui fait Kenneth Hagin Hagin, je veux ça Seigneur. Bishop David Oyedepo said whatsoever made Kenneth Hagin Hagin, I want it. L'esprit de foi qui est en lui. The spirit of faith je in him. Je veux le même esprit de foi. I want the same spirit. Parce que par cet esprit, je peux assujettir tout royaume des ténèbres. Because by that spirit, I can subdue all the kingdoms of darkness. La bonne nouvelle, c'est que tu es sous cette couverture prophétique. The good news is that you are under this prophetic covering. Et Paul a dit que nous sommes tous participants de la même grâce. And Paul said we are all partakers of the same grace. Cet esprit de foi là. The same spirit of faith. Va œuvrer dans plus grande dimension dans ta vie au nom de Jésus-Christ. And walk in a higher dimension in your life in the name of Jesus. Et lorsque l'esprit de foi est en œuvre dans ta vie. And when the spirit of faith is at work in your life. La question des malédictions générationnelles. The question of generational curses. N'a plus d'impact dans ta vie. Have no more impact in your life. Pourquoi? Parce que la Bible t'apprend quelque chose. Why? Because the Bible teaches you something. Que tu as déjà été racheté de toutes les malédictions. That you have been redeemed from all the curses. C'est déjà clos. It's closed. C'est déjà établi. It's established. Tout ce qui se passe autour de toi. Whatsoever is happening around you. Tout ce que tu vois dans la vie de ta lignée sanguine. What you are seeing in the life of your lineage or your siblings. Parce qu'on parle de malédiction générationnelle. Because we are talking about generational curses. C'est-à-dire que c'est transmis du père au fils au petit-fils jusqu'à l'arrière-petit-fils. That is transmitted from the father to the son to the grandchild to the great-grandchild. Mais Dieu te dit que tu as déjà été racheté de toutes les malédictions. But God is telling you that you have already been redeemed from all the curses. Et il t'annonce en réalité dans Ephésiens chapitre 2 verset 19. And he's telling you that in reality in Ephesians 2:19. Tu n'es plus genre du dehors. You are no more. Tu es concitoyen du royaume de Dieu maintenant. You are now a citizen of the kingdom of heaven. Tu es un homme et une femme de la maison de Dieu. You are a man and a woman of the household of God. Par conséquence, therefore, il t'a racheté. He has redeemed you. De ta famille. From your family. De ta tribu. From your tribe. De ta province. From your province. De ton pays. From your country. Et il t'a fait entrer. And he has brought you dans in. Le royaume de son fils. The kingdom. Dans le royaume de son in fils. The kingdom of his dear son. Et c'est un royaume qui est inébranlable. And it is an unshakable kingdom. Et dans kingdom. Son royaume, il n'y a pas de malédiction. And in this kingdom, there is no curse. Peu importe ce qui se passe dans ma lignée sanguine. No matter what is happening in my lineage. Je n'ai plus le même sang que vous. I don't have the same blood with you. Parce qu'en réalité, la question de la malédiction, je le relève, ça suit la lignée sanguine. Because the problem of curse is on the blood lineage. Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10. Revelation 5 9 to 10. Il dit qu'il nous a racheté de toute langue. He said he has redeemed us from every tongue. Colossiens chapitre 1 verset 14. Colossians 1 14. Tu es maintenant dans le royaume de son fils. You are now in the kingdom of his dear son. Tu n'appartiens plus à ta famille. You do not belong to your family anymore. La stérilité qui est connue là-bas n'est plus ton partage. The problem they have there is no more your portion. Le chômage qui est connu de façon chronique là-bas n'est plus ton partage. The chronic joblessness in their family is no more in that family is no more your portion. Par conséquence, therefore, la bénédiction. Blessing. Parce que tu appartiens à la postérité d'Abraham maintenant. Because you now belong to Abraham's seed. Il t'a racheté de la malédiction. He redeemed you from the curse. Pour que tu entres dans la bénédiction. For you to enter into blessing. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose que tu cherches. Blessing is not something you are running after. Ça fait déjà partie de toi. It's something that is part of you. Tu es une bénédiction toi-même. You are a blessing on yourself. Il dit afin que la bénédiction d'Abraham. So that the blessings of Abraham. Et pour les païens, donc nous. May come for the Gentiles, that is us. La bénédiction a déjà eu son accomplissement. Elle ne va pas s'accomplir, mais elle est déjà accomplie. Blessing has already been fulfilled. It's not going to be fulfilled. Afin qu'elle eut son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. That the blessings of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ and that we may receive the promise of the Spirit through faith. Tu es déjà béni. You are already blessed. La malédiction n'a plus d'effet sur ta vie. Curse has no more effect on your life. Marche avec cette conscience-là. Walk with this consciousness. Vis avec cette réalité-là. Live with this reality. Lorsque tu vois tes parents se plaindre des mêmes mots. When you see your parents complaining of
the same place. Ça ne devrait même pas traverser ton esprit, ta pensée qu'il est possible que je sois aussi victime de ça. It shouldn't even cross your mind that you can be a victim of that. Non. No. Tu as été racheté. You have been redeemed. Pas seulement ton esprit a été racheté. Because when your spirit is redeemed. Pas seulement ton esprit qui a été racheté. Not only your spirit was redeemed. Même ton corps a été racheté. Even your body was redeemed. Donc les maladies héréditaires. So hereditary sicknesses. L'asthme, le diabète. Asthma, diabetes. Le cancer. Cancer. Ça n'a plus d'impact sur ta vie. It has no more impact on your life. Pour quelqu'un ce midi au nom de Jésus-Christ. I pray for someone. Maintenant dans les chaussures du serviteur de Dieu. Standing in the shoes of God's servant. Tout ce qui représente un symptôme de la malédiction. Everything representing a symptom of curse. Par le sang de Jésus ce midi. By the blood of Jesus. Ce serait évacué de ton corps au nom de Jésus-Christ. It is flushed out of your body in the name of Jesus. 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 20. 1 Corinthiens 6 20. Il a dit ceci. He said. Glorifiez Dieu. Glorify God. Car vous avez été rachetés. For ye are bought. À un grand prix. With a price. Pourquoi est-ce qu'on va encore te mettre sur le marché pour te vendre? So where are they going to sell you again? Pourquoi est-ce que tu te retrouves sur le même marché de la maladie dans les hôpitaux avec les mêmes personnes? Where are you still in that market of sickness in the hospital pourquoi with the same people? Pourquoi tu te retrouves encore sur le même marché des chômeurs avec les gens qui posent les qui déposent les appelés les Where are you still in that market of joblessness with the same people seeking for jobs? Il t'a racheté de ces marchés déjà. He has already redeemed you from those markets. Et tu dois glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit. And you should glorify God in your body and in your spirit. Tout ce qui est symptôme de la maladie dans ton esprit et dans ton corps. Everything that is a symptom of sickness in your body. Ce midi par le sang de Jésus s'évacue au nom de Jésus-Christ. This afternoon by the spirit of God is flushed out in the name of Jesus. Et comme notre papa l'a dit, et c'est ce que la Bible nous recommande. And as our father said, it is what the Bible recommends. Serve Dieu de tout ton cœur. Serve God with all your heart. Continue à servir Dieu. Keep serving God. Parce que quand tu le sers, because when you serve him, il te bénit. He will bless you. Et la malédiction n'a plus d'impact dans ta vie. And curses will have no more impact in your life. Tenons-nous sur nos pieds, s'il vous plaît. Stand on your feet. Praise the Lord. Hallelujah. Quelqu'un ici ce midi. Someone is here this afternoon. Jésus veut déjà, il t'a déjà racheté. Jesus has already redeemed you. Il veut seulement que tu l'acceptes. He wants you to accept him. Il veut mettre fin à toutes ces formes de malédiction dans ta he vie. He wants to put an end to every form of curse in your life. Il veut que ça devienne réalité dans ta vie. He wants his world to become a reality in your mais life. Il veut que tu entres dans son royaume. He wants you to enter into his kingdom. Tu es là ce midi. You are here. Tu veux entrer dans le royaume de Dieu. You want to enter God's kingdom. Tu peux simplement lever ta main droite. You can simply lift your right hand. Et peut-être qu'avant aussi tu étais chrétien. Or maybe you were Christian. Mais tu sais que tu n'es plus en accord avec sa parole de Dieu. And you know you are no more in conformity with his word. Et ces symptômes ont recommencé à avoir de l'impact dans ta vie. And those symptoms started having impact in your life again. Tu veux revenir aussi. You want to come back also. Lève simplement ta main droite. Just lift up your right hand. Là où tu es, lève ta main droite. Lift up your right hand where lève you are. Lève la bien, répète la prière après moi. And repeat this prayer after me. Dis Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je viens à toi. I come to you. Tel que je suis. As I am. Pardonne mes fautes. Forgive my sins. Aujourd'hui, today, je t'accepte. I accept you comme mon Seigneur, as my Lord et mon Sauveur, and Savior. Je déclare, I declare, je suis né de nouveau, that I'm born again. Je suis sauvé, I'm saved. Merci Seigneur Jésus, thank you Lord Jesus, de m'avoir sauvé, for saving me, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus. Vous avez fait cette prière. If you pray this prayer, posez maintenant un acte de foi. You're going to place venez vers an l'hôtel, act venez of vers faith. L'hôtel en ce midi. Venez vers l'hôtel ce midi, vous avez posé sa carte de foi, venez vers l'hôtel. Nous allons prier pour vous, venez rapidement vers l'hôtel, nous voulons prier pour vous. Come forward. Ne restez pas assis là-bas. Vous avez fait cette prière, venez rapidement vers l'hôtel. You made this prayer, come quickly. Nous voulons prier pour toi, poser cet acte de foi. We want to pray for you. Que Dieu vous bénisse, venez rapidement, may nous voulons prier you. Pour vous, venez rapidement, come venez rapidement, quickly, ne restez pas quickly. Assis là-bas. Don't Église, célébrons-les, ils sont en train de venir, célébrons-les, ils sont en train de venir. Celebrate them as venez rapidement, coming. Venez rapidement, ne restez celebrate pas assis, venez rapidement, quickly, venez rapidement. Quickly. Vous l'acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Come and accept Jesus, you have venez rapidement, Jesus venez rapidement, ne restez pas assis. Come venez quickly. Rapidement, venez rapidement. Come quickly, come quickly. Venez rapidement. Come quickly. Nous voulons prier pour vous. We want to pray for si vous voulez you. Vous joindre à eux, vous pouvez toujours venir. Venez rapidement, venez rapidement. Come quickly. Église, on célèbre Jésus, on peut célébrer Jésus encore plus ce midi. Church, let's celebrate Jesus, let's celebrate Jesus.
S'il vous plaît, baissez les têtes et j'aimerais prier pour vous. Bow your head as I pray for you. Père, au nom précieux de Jésus-Christ. Father, in the precious name of Jesus. Pour toutes ces âmes qui reviennent à toi en ce midi. For all these souls coming back to you. Accepte-les dans ton royaume. I accept them in your kingdom. À compter de ce jour. From today. Que toute malédiction. Let every curse. Dans leur vie. In their lives. Soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Be broken in the name of Jesus. Qu'un nouvel ordre de bénédiction. Let a new order of blessing. Commence à se manifester dans leur vie. Begin to manifest in their lives. Et lorsque tu reviendras. And as you return. Par-dessus tout. Above all. Tous ensemble. All together, nous serons enlevés. We shall be raptured. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Et c'est fait au nom de Jésus-Christ. It is done in the name of Jesus. S'il vous plaît, tournez-vous sur votre droite. Il y a des officiers qui veulent vous accompagner. Turn to your right and follow the officials. Avec des acclamations, recevons notre papa dans la maison. Wave a clap ovation. Let's receive the man of God in the house. Hallelujah. Amen. Is somebody blessed by that powerful word from heaven this morning? Quelqu'un a-t-il été béni par cette parole puissante? The last failure you encountered before you came to this service. Le dernier échec que vous avez expérimenté avant de venir à ce service. The last failure you ever encountered. Est le dernier que vous aurez à expérimenter. In fact, as you are stepping out now. Pendant que vous vous levez maintenant, a good news is landing to you. La bonne nouvelle est en téléchargement. I told this morning, j'ai dit ce matin that the spirit of faith que l'esprit de foi is a dominant spirit. Est un esprit de domination. And we are told that a closed mouth is a closed destiny. Et une bouche fermée est une destinée fermée. At one time, une fois, Jesus was on a journey. Jésus voyageait. They were hungry. Ils avaient faim. And he saw a fig tree afar off. Et il a vu un figuier. And Jesus was happy that we eat from that fig tree. Et il était content parce qu'il pensait manger des figues. But when he got there, mais quand il est arrivé, the Bible said there was no fig. Il n'y avait pas de figue. The Bible said, and Jesus answered. Et Jésus répondit. Meaning the fig tree mocked Jesus. Ça veut dire que le figuier avait offensé Jésus. You are hungry. Tu as faim. Is it my time? Est-ce que c'est mon temps? It was mocking Jesus. Donc le figuier se moquait de Jésus. Because the Bible says, and Jesus answered. Et Jésus répondit. For you to answer, there must be a communication. Pour que tu répondes, il faut qu'il y ait eu communication. And when Jesus answered, et quand Jésus répondit, the following day, le jour suivant, it dried up. Le figuier avait desséché, était desséché. Peter said, Master, et Pierre a dit, Maître, the tree you addressed yesterday, le figuier que tu as maudit hier, it has dried up. A séché. And Jesus said, et Jésus a dit, you will do same. Tu feras de même. Greater than this, tu feras même plus. You will do. Tu feras plus. Talking about the spirit of faith. Parlons de l'esprit de foi. Pastor teaching us. Le pasteur nous enseignant. Peter said, tell me. Pierre a dit. Who am I to obey? Qui suis-je pour obéir? You or God? Qui dois-je obéir, Dieu ou toi? Because Jesus has already told Peter. Parce que Jésus. You will do greater. A dit à Pierre, tu feras de plus grandes choses. It was the spirit and the tree that mocked Jesus. C'était l'esprit. De l'arbre qui s'est moqué de Jésus. Jesus cursed the tree. Et Jésus a maudit l'arbre. And he died. Et l'arbre est mort. Peter said, Master. Et Pierre a dit, Maître. What you cursed yesterday? Ce que tu as maudit hier. Jesus said, Peter. Et Dieu a dit, Pierre. You will do greater. Tu feras de plus grandes choses. Now Peter's ministry was just coming up. Maintenant le ministère de Pierre commençait à peine. Everybody was celebrating Peter. Et tout le monde célébrait Pierre. Then the spirit of lying entered Ananias and Sapphira. Et l'esprit de mensonge est entré dans Ananias et Saphir. To mock Peter. Pour se moquer de Pierre. Peter said, "Ah, Ananias." Et Pierre a dit, Ananias. You dare lie to me? Tu me mens? He said, "You lie against the Holy Ghost." Tu as menti contre le Saint-Esprit. Immediately. Et immédiatement. Jesus was the following day. Jésus-Christ c'était le lendemain. Immediately. Immédiatement. Ananias dried. Ananias est tombé. And fell down. Et il est mort. Then the wife came.
Et sa femme est venue. Not knowing what has happened. Ne sachant pas ce qui était arrivé. Because they have agreed to mock Peter ministry. Parce qu'ils s'étaient entendus pour se moquer de Pierre. By lying against Peter ministry. En mentant contre le ministère de Pierre. Peter said, "Is that true?" Il a dit c'est vrai. Yeah, it's true. Oui, c'est vrai. Peter said, "Now." Il a dit maintenant. The men that have gone to bury your husband. Ceux qui sont allés enterrer ton mari. They're on their way. Reviennent. They will still bury you. Et ils vont aussi t'enterrer. Immédiatement. The woman died. Elle est tombée. And died. Et elle est morte. The same spirit of faith. Le même esprit de foi. Whatever is mocking your destiny. Tout ce qui se moque de ta destinée. No, listen. Écoutez. I'm not declaring over you. Je ne déclare pas sur vous. We have the same spirit of faith now. Nous avons le même esprit de foi. Now begin to command them to dry. Maintenant, toi-même, tu vas leur demander de sécher. Is mocking your glorious destiny. Tout ce qui se moque de ta destinée glorieuse. Begin to command them to dry. Ordonne leur dessèchement. Command them to dry. Ordonne leur dessèchement. They are mocking your head. Ils se moquent de ta santé. Any affliction in your body. Toute affliction dans ton command corps. Command that devil to dry up. Ordonne qu'il meure. Mocking your business. Tout ce qui se moque de tes affaires. Mocking your home. Qui se moque de ton foyer. Mocking your marriage. Qui se moque de ton mariage. Whatever is mocking your peace. Tout ce qui se moque de ta paix. Command them to dry up. Ordonne qu'il meure. Command them to dry up. Ordonne qu'il dessèche. 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 Yes. Oui. Dry them up. Rakasetaredabadaba. Abba Father. Abba Père. Whatever spirit mocking my destiny. Mocking my marriage, de ma destinée, mocking my ministry, de mon ministère, mocking my health, de ma santé, mocking my blessing, de ma bénédiction, mocking my prosperity, de ma prospérité. I command them to dry up. J'ordonne leur dessèchement. Wherever they are operating from, j'ordonne leur dessèchement. Whoever is backing them, peu importe qui est derrière, I command them to dry up. J'ordonne leur dessèchement. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I command them to dry up. J'ordonne leur dessèchement. I command them to dry up. J'ordonne leur dessèchement. I command them to dry up. I command them to dry up. In the name of Jesus. I command them to dry up. Yes. Rase katoba rede bade bada. Hey, gaga gaga zadora gote payadaba. A closed mouth is a closed destiny. Une bouche fermée est une destinée close. A closed mouth is a closed destiny. Une bouche fermée est une destinée close. Open your mouth wide. Ouvre ta bouche. Command them to dry up. Ordonne qu'il dessèche. Ordonne qu'il dessèche. Command them to dry up. Ordonne qu'il dessèche. Command them to dry up. Ordonne qu'il dessèche. Whatever is mocking your glory. Tout ce qui se moque de ta gloire. Whatever is mocking your glory. Tout ce qui se moque de ta gloire. Whatever is mocking your office. Tout ce qui se moque de whatever ta gloire. Is mocking your promotion. Tout ce qui se moque de ta promotion. Whatever is mocking your children. Tout ce qui se moque de tes whatever enfants. Is mocking your marital settlement. Command them to dry up. Ordonne leur dessèchement. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. They dry up. Qu'ils dessèchent. After the order of judgment. Suivant l'ordre. On Ananias and Sapphira. D'Ananias et Sapphira. I decree judgment. J'ordonne le jugement. I decree judgment. J'ordonne le jugement. Over whatever is smoking your life. Sur tous ceux qui se moquent de ta vie. Today. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. I command them to dry up. Ordonne leur dessèchement. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. We have the same spirit of faith. Ayant le même esprit de foi. I join my faith to your faith this morning. Je joins ma foi à la tienne. Whatever is mocking your destiny. Tout ce qui se moque de ta destinée. Whatever is mocking your glory. Tout ce qui se moque de ta gloire. By the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. That judge Ananias and Sapphira. Comme judge Ananias et sa fille. I command that forces judge now. Qui a jugé Ananias et sa fille, j'ordonne que ces forces soient jugées maintenant. Whether they are in human form. Qu'ils soient sous la forme humaine. Or they are in the spiritual form. Ou de la forme spirituelle. Whatever form they take. Peu importe leur forme. That is mocking your glory. Et qui se moque de ta gloire. That is mocking your advancement. Qui se moque de ton avancement. I command the judge.
J'ordonne leur jugement. I declare they dried up. Je déclare leur désespoir. I declare they dried up. Je déclare leur désespoir. I declare they dried up. Je déclare leur désespoir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. It is settled. C'est fait. It is settled. C'est fait. In Jesus' name. Au nom de Jésus. We have the same spirit of faith. Ayant le même esprit de foi. And we declare. Et nous déclarons. And heaven confirm. Et le ciel confirme. This week. Cette semaine. You will see the hand of the Lord upon your life. Tu verras la main de Dieu sur ta vie. He said, "Who has believed our report?" Qui a cru à notre rapport? And to him. À lui. The arm of the Lord will reveal. Il verra. Upon your life. Sur ta vie. Your health. Ta santé. The works of your hands. Les œuvres de tes mains. Your children. Tes enfants. Your marital issue. Tes problèmes de mariage. The hand of the Lord will be revealed for your glory. La main de l'Éternel sera révélée pour ta gloire. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. And lastly, this morning. Et pour finir ce matin. We have been redeemed from curse. Nous avons été rachetés des malédictions. We have been redeemed for curse. Nous avons été rachetés des malédictions. You have no connection with curse. Vous n'avez plus de connexion avec les malédictions. Warning. Warning. Avertissement. Warning. Avertissement. Matthew chapter 12. Marc 12. Verse 43 to 45. 43 à 45. Matthew 12, 45. Matthieu. Jesus speaking here. Jésus révèle ici. When an evil spirit is cast out. Quand un esprit impur est chassé. Generational curse, diabolical curse, whatever curse, they are evil spirits. Les malédictions générationnelles, diaboliques, peu importe, ce sont les mauvais esprits. Matthew 12, 17, 13. Matthieu 12. So when an evil spirit, he said, when an unclean spirit is gone out of a man. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, he walked through the dry place, il va par des lieux arides, and find none. Cherchant du repos et il n'en trouve point. The next verse, then he said, alors il dit, I will return into my house, je retournerai dans ma maison, from where I came out, d'où je suis sorti. And when he is come, et quand il arrive, he find it empty. Il la trouve vide. Swept. Balayé. And garnished. Et orné. The last verse now. Le dernier. Then goeth he. Il s'en va. And take with him seven other spirits. Et il prend avec lui cet autre esprit. More wicked than himself. Plus méchant que lui. And they enter in and dwell there. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. And the last state of that man is worse than the first. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. That will not be you. Il n'en ce sera pas ton cas. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. You have been redeemed from every generational or any kind of diabolical curse. Vous avez été racheté de toutes sortes de malédictions générationnelles ou diaboliques. Don't go to satanic supermarket or shop. Ne partez plus dans les supermarchés sataniques vous approvisionner. Somebody is asking pastor, which one is satanic supermarket? You know them. Quelqu'un est en train de demander pasteur, c'est quoi ces magasins sataniques? Vous les connaissez? You know that thing you are doing. Your conscience is telling you this thing is not right as a Christian. Vous connaissez cette chose que vous faites et votre conscience vous dit ce n'est pas bien pour un chrétien. You are still doing it. Mais vous continuez à le faire. You know that thing you will not. If you see your pastor coming, or if you see your fellow brother coming, you are hiding what you are doing. Cette chose que vous faites, et si vous voyez votre pasteur arriver, vous allez vous cacher, ou bien si vous voyez un autre arriver, vous and you are still doing it. Mais vous continuez à le faire. That is what we call satanic supermarket. C'est ça le supermarché diabolique, satanique. The Bible says if you are going to the satanic supermarket or shop. La Bible dit que si vous allez vous approvisionner là-bas. The day the devil come again and see that you are trading with him. Le jour où le diable va revenir et voir que tu es en relation avec lui. He come with seven more wicked spirits. Il va aller chercher sept autres esprits plus méchants. But concerning you. Mais en ce qui vous concerne. He will not find you empty. Oh, il ne vous trouvera pas vide. Keep serving the Lord. Continuez à servir l'Éternel. Keep serving the Lord. Continuez à servir l'Éternel. And when you miss it, si vous manquez cela, quickly say, Holy Spirit, I'm sorry. Dis, Saint-Esprit, je suis désolé. You don't go back to it. Si tu fais un faux pas, tu reviens dire, Saint-Esprit, je suis désolé, et tu ne retournes pas. C'est clair?
Hallelujah. Amen. Our last prayer now. Notre dernière prière maintenant. Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. He made a curse for us. En étant devenu malédiction for pour nous. For curse is every man car that is under the tree. Maudit quiconque est pendu au bois. That the Abrahamic blessing might come on me and you. Afin que la bénédiction abrahamique. Galatians 3, 13 to 15. Galates 3, 13 à 15. Now in the next 2 minutes. Maintenant 2 minutes. Begin to decree and declare. Vous allez décréter et déclarer. Abba Father. Abba Père. As I partake in this holy communion table. En prenant part à cette table de communion. I come into the reality. Je entre dans la réalité. Of the Abrahamic order of blessing. De la bénédiction abrahamique. I take my portion. Je prends ma part. Of the Abrahamic order of blessing. De la bénédiction abrahamique. I am free from every form of curse. Je suis libre de toutes sortes de malédictions. I am now a child of blessing. Je suis maintenant un enfant de bénédiction. I am free from any form of curse. Je suis libre de toute forme de malédiction. I am now a child of blessing. Je suis maintenant un enfant de bénédiction. I take my inheritance. Je prends mon héritage. In the Abrahamic order of blessing. Dans l'ordre de bénédiction abrahamique. I take my Abrahamic blessing today. Je prends ma bénédiction abrahamique aujourd'hui. I take my Abrahamic blessing today. I take my Abrahamic blessing today. I am blessed in my body. Je suis béni dans mon corps. My head is blessed. Ma santé est bénie. My home is blessed. Mon foyer est béni. The works of my hands are blessed. L'œuvre de mes mains est bénie. My children are blessed. Mes enfants sont bénis. My going out is blessed. Tout est béni. My coming in is ma blessed. Ma sortie est bénie. No man, no power fashioned against me. We succeed. Aucune force se levant contre moi. Any torrent against me, judgment they are condemned. Qui se lève en jugement. I take my Abrahamic blessing today. Je reçois ma bénédiction. I connect into my Abrahamic blessing today. Je connecte à ma bénédiction. By this holy communion table. Par cette communion. By this holy communion table. Par cette communion. By this holy communion table. Par cette communion. I take my Abrahamic blessing. Je prends ma bénédiction. I take my Abrahamic blessing. Je prends ma bénédiction abrahamique. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. As you partake on this table. En participant à cette table. I decree the heaven over you open for blessing. Je déclare le ciel sur vous ouvert pour la bénédiction. You're going out, you're coming in, I declare them blessed. Votre sortie et votre retour sont déclarés bénis. This week, cette semaine, supernatural favor will answer for you. La faveur surnaturelle répondra pour vous. This week, cette semaine, you will walk in supernatural abundance. Vous marcherez dans l'abondance surnaturelle. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. This table is declared blessed. Cette table est déclarée bénie. From this moment, à partir de maintenant, it is now the true body of Jesus. C'est maintenant le corps de Jésus. And the true blood of Jesus. Et le vrai sang de As Jésus. As you take it in faith. En prenant par la foi. Whatever is not in Jesus. Tout ce qui ne se trouve pas en that Jésus. That may have creeped into you. Qui s'est peut-être accroché à toi. They flush out now. Sera expulsé maintenant. They flush out now. Sera expulsé maintenant. Any covenant you have entered with the devil before. Toute alliance que tu avais faite avec even le diable. Even though you left them, they are still holding you bound. Même si tu es parti de leur camp, ils continuent à te retenir. As you partake in this holy communion. En participant à cette sainte communion. They flush out now. Ils sont expulsés they maintenant. They flush out now. Ils sont expulsés maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You are blessed. Vous êtes béni. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Have your seat. Asseyez-vous. After taking. Après avoir pris la communion. You jump up and celebrate your victory. Vous vous levez pour célébrer votre victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Praise God.